Thank you, Mr. Deputy Speaker, sir. Allow me also to congratulate our Prime Minister for this budget that my colleagues has already described as an enlightened one for the country. I would want to say more, but I'm sorry, Mr. Prime Minister, my word can't do you any justice. So allow me just to salute and bow down to this enlightened leadership that you are for this country. We often witness disinformation campaigns orchestrated by anti-patriotic individuals and groups. They deliberately confuse and manipulate our citizens through dishonest but sensational information. The aim of these despicable, in Hindi we say that Bayman person, is to destabilize the country and hold back its progress for their sole political agenda and gain. They are the one who turns out to shout the loudest. They are the ones with personal attacks. They insult this house, they insult its members, and very sadly, they very often insult our forefathers who have built this country with their sweat and blood. My good friend Ravi Ratna, the deputy whip, has been victim of these insults. What is more worrying? Yes, indeed. What is more worrying is that all this is done with the complicity of a certain press who clearly have placed their bets on one horse. I'm very much tempted to say a dead horse. With an open hate agenda. They have to get to power at whatever cost. Even if it means burning and dividing our beloved and united Mauritius. I would advise these people who have the responsibility to bring balance in our democracy and through the words of Desmond Tutu, don't raise your voice, improve your arguments. Monsieur le Vice-Président, les exercices budgétaires précédents de ce gouvernement avaient ouvert la voie à la mise en œuvre de la nouvelle vision 2030, d'une République de Maurice inclusive à revenus élevés. En 2016, nous avons annoncé les fondations pour une nouvelle ère de développement. Et en 2017, nous avons mis en avant les mesures pour relever le défi de nos ambitions, alors qu'en 2018, nous avons élaboré les moyens pour poursuivre notre quête de transformation. Aujourd'hui, nous nous engageons ensemble, en tant que nation, pour un avenir meilleur. Voilà déjà le quatrième budget de notre Premier ministre, Pravin Jagnauth. Et l'opposition continue à feindre de ne pas comprendre la vision autour de laquelle sont axées les actions de ce gouvernement. Notre philosophie est évidente. Le progrès économique en tandem avec l'inclusion sociale pour une société juste et équitable. C'est donc dans la continuité que s'inscrit le budget 2019-2020. Pour ceux qui ne le savent pas, le Larousse définit le vocable « continuité » comme le caractère de ce qui est continu, soutenu et qui ne subit pas d'interruption dans le temps. Pour faire progresser un pays et tout un peuple, il faut des actions dans le temps, des actions continues, soutenues, qui amèneront de vrais résultats. Dans ce gouvernement, nous ne sommes pas fanatiques des coups d'éclat, des annonces tonitruantes de changement en 100 jours, alors que dans la réalité, le changement était pour 100 familles en un jour, avec des mesures pour les apporter plus de richesses et de leur faire payer moins de taxes. Nous nous souvenons tous du tandem Sitanen, Ramgoulam et de leurs réformes qui ont fini par créer une nouvelle classe dans ce pays. Les pauvres et les pauvres et les encore plus pauvres, qu'ils appelaient absolute poverty. Absolute poverty, ce sont eux, le Parti travailliste,
avec le PMSD en alliance qui ont créé ce absolute poverty. Au sein de notre gouvernement, nous sommes ancrés dans la réalité de nos citoyens et parlons vrai, monsieur le vice-président. Nous l'avons si souvent martelé, notre ambition ne se borne pas à une échéance électorale, mais à corriger 10 ans d'injustice sociale. En tant que gouvernement, nous souhaitons marquer l'histoire dans le même acabit que Sir Anirudh Jagannath et consorts comme les pères du développement et de la prospérité économique de la République de Maurice pour tous. Cette phrase de Sophocle, grand dramaturge grec, et je cite, « Le succès dépend de l'effort, si bien à ce gouvernement, contrairement à l'opposition qui a retenu des pièces de théâtre de la Grèce que le goût du mélodrame et le sens du tragique jouant les Cassandres, prédisant chaque semaine depuis 2015 une tragédie grecque à la sauce mauricienne sur fond du débâcle économique. » Ça me fait penser aux commentaires de l'honorable Orvin Boulel. Et cela fait plus de 4 ans qu'elle joue cette pièce. Et je suis tenté de dire, Anne, ma chère Anne, vas-tu rien venir? Et j'en passe de leurs élections derrière la porte chaque 6 mois. Pourtant, mais j'en suis sûr, le bon docteur Orvin Boulel aurait fait un bon leader. Mais il va falloir commencer par d'abord avoir le courage de faire face aux tapeurs de son leader actuel. Pourtant, le PIB réel de Maurice a progressé en moyenne de 3,7% depuis 2015 et a passé le seuil du trillion de roupies cette année. Un taux de croissance de 3,9% est même attendu en 2019. Et ce même si la FMI, la Banque mondiale, ont révisé le taux de croissance, c'est très important de comprendre cela. Ils ont révisé le taux de croissance mondiale à la baisse à 3,3% et 2,6% respectivement. Monsieur le vice-président, alors que des travées de l'opposition retentissent, modèle économique dépassé, budget sans vision, décevant et j'en passe. Nous sommes en droit de nous demander qu'est-ce que ces messieurs, dames, enlèveront leurs ailleurs qui les empêchent de voir au-delà des prochains scrutins et élections. La République de Maurice, monsieur le vice-président, ne vit pas en vase clos. Nous évoluons dans un environnement international difficile, où les changements économiques, politiques et technologiques sont rapides et souvent imprévisibles. Il nous faut demeurer vigilants avec les menaces, comme le terrorisme par exemple. Le monde change et nous devons suivre le pas. Pour survivre et devenir compétitif, il était impératif que Maurice ait un nouveau modèle économique ouvert sur le monde. Dans l'optique de réussir cette ouverture, il a fallu mettre en place à travers les budgets précédents, les infrastructures adéquates, non seulement physiques, mais institutionnelles, sociales, organisationnelles et surtout numériques. Nous nous sommes donné les moyens et nous avons investi au fil des budgets dans le système de transport public, le réseau routier, l'énergie, en particulier l'énergie renouvelable, le développement portuaire, l'éducation de nos enfants, la santé, le logement, la formation, de notre ressource humaine. Bref, nous avons renforcé les catalyseurs de développement en vue d'une croissance à visage humain à long terme. Monsieur le vice-président, nous concédons que certaines mesures ont pris du retard dans leurs implémentations, mais il fallait bien reprendre les défaillances délaissées par l'ancien gouvernement. Notamment la remise en état de projets défectueux comme la route Terre Rouge-Verdun, le projet Ring Road qui termine avec en montagne, qui tourne en rond, qui ne nous emmène rien du tout, la réfection de Bagatelle d'Armes que je qualifie d'oubli majeur. On a fabriqué,
On a construit Bagatelle Dam, mais on a oublié le traitement, la station de traitement qui va avec le barrage. Cela sans compter la pagaille et les gabegies. Nous pouvons même désormais parler d'une décennie de perdu avec des projets au compte-gouttes, des réformes et restructurations qui auront surtout favorisé les bonnes affaires des copains, aider nantis et fini de creuser les inégalités entre Mauriciens et de multiples déclarations de bonnes intentions à travers des conférences qui ont été suivies de discussions sans fin sur plusieurs thèmes, parmi démocratisation de l'économie, le Seafood Hub, Knowledge Hub, Land-Based Oceanic Industry, Maurice Durable, qui étaient censés devenir des moteurs de croissance et de nouveaux piliers économiques. Et pour clôturer tout ça en beauté, Monsieur le Vice-Président, cette décennie de procrastination, n'oublions pas une année de cause causée en vue de négocier des ambitions folles de septennat pour un mandat présidentiel. Aujourd'hui, ces instigateurs de la décennie perdue, propagandistes de demi-mesures et de demi-vérités, se disent prêts à reprendre le pouvoir, se gargarisant de leur pseudo-proposition de rupture, de manifestes électoraux sur Facebook, de congrès en petit comité ou de programmes électoraux dits solides. Ne dit-on pas, Monsieur le Vice-Président, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Sur papier, que des initiatives avec les meilleures intentions du monde, mais dans la réalité, nous avons tous été témoins du zéro sens de l'effort, plus occupés à faire fructifier les intérêts de qui ? De maîtresse. Beau-frère, camarade, copain, copine, on en a tout vu. Et les conséquences ont été désastreuses, avec des projets au coût faramineux, dont les ruptures de contrats entraînaient des indemnités au détriment des contribuables. Des universités marrons, un niveau scolaire en baisse, avec des étudiants qui se contentaient du moindre effort en ne visant que 3 crédits. De jeunes adolescents en perte de repères et une grande injustice sociale avec des réformes qui étaient avantageuses seulement pour les plus riches. C'est alors que les Mauriciens ont découvert à quelle sauce de discours creux, de vœux pieux et des paroles en l'air que nous avons été servis de 2005 à 2014. Au vu de cette décennie perdue, il n'est pas étonnant que les nouvelles orientations de notre gouvernement, du gouvernement de notre Premier ministre Pravin Jagnauth, si résolument tournées vers la modernité, ont déboussolé les vieux routiers politiques, rompu à débattre ad nauseam sur les secteurs et modèles de développement traditionnels comme le sucre, textile et le tourisme, et à négocier pendant des jours, pour ne pas dire des semaines et des mois, durant les alliances politiques. Il n'est guère étonnant que cela peine à suivre le rite. Mais, Monsieur le Vice-Président, les preuves parlent pour ce gouvernement et on ne peut constater les faits. La République de Maurice entière est une cité en construction. De 2014 à 2019, les réalisations de ce gouvernement sont nombreuses et relèvent du concret. Une liste non exhaustive. Je ne propose pas d'y rentrer dans ma liste puisque mes amis avant moi ont déjà parlé de tout ce qu'on a fait, négative income tax, salaire minimum, l'impôt négatif sur les revenus, les maisons de la NHDC beaucoup plus grandes, Citizen Support Unit, la loi sur la déclaration des avoirs, développement des secteurs et des plateformes économiques vers les pays africains, service Internet Rodrigue Agalega, promotion de l'énergie durable à travers le plan solaire visé résidentiel et commercial, les allocations mensuelles pour les anciennes glories sportives, création Economic Development Board, positionnement Maurice sur le continent africain avec la création des zones économiques et spéciales, et j'en passe, la liste est trop longue. Bientôt, ce sera aussi le déploiement du Safe City pour assurer la sécurité de nos citoyens, la mise en opération des hôpitaux
remplacement des vieux tuyaux, métro express. La liste est encore très longue et mes amis avant moi ont déjà, on en a déjà parlé. Mais dans tout cela, monsieur le vice-président, c'est bien normal de faire un minimum de sacrifices, inévitable si nous voulons réussir la transition vers un pays à haut revenu qui bénéficie à tous les Mauriciens et promeut le développement humain, économique et social. Exploiter la frustration de la population face à des problèmes et tenter de la transformer en mouvement de colère et manifestation violente relève de la bassesse et le cynisme de certains profiteurs, comme ce fut le cas à Saint-Paul. Monsieur le vice-président, malgré les nombreuses secousses au niveau international, telles que la guerre des taxes entre les États-Unis et diverses puissances mondiales, notre économie continue à faire preuve de résilience avec une croissance stable au cours des 4 dernières années. Nous commençons déjà à récolter les fruits de nos efforts et mesures prises pour jeter les bases pour un niveau de développement. Les indicateurs montrent que notre économie peut passer à une vitesse supérieure. Ainsi, notre taux de chômage continue à baisser. Concernant le taux d'inflation, même si nos détracteurs ont crié au loup, quand nous avons mis en œuvre le salaire minimum et l'impôt négatif sur le revenu, le moyen était de 2,3% en 2015 et 2018, alors qu'un taux d'inflation de 1,5% est prévu pour 2019. Derrière tous ces projets, initiatives, chiffres et réalisations, nous trouvons un homme, le Premier ministre, Pravin Jagnauth, qui s'est donné pour mission de faire connaître au pays une nouvelle phase de développement pour le bien de tous les Mauriciens et construire une République dynamique, moderne et prospère où nous vivons en sécurité et où chaque citoyen a l'opportunité de progresser. La vraie bataille de ce gouvernement, qui est contre la pauvreté et les inégalités sociales, repose sur la conviction de notre Premier ministre et de son engagement pour une amélioration de la qualité de vie et de bien-être des citoyens. Que ce soit en encourageant un style de vie actif par la pratique d'un e-sport et à travers la lutte contre la prolifération de la drogue ou la mise en œuvre de mesures sociales ou l'utilisation de la technologie numérique qui cadre avec la vision fondamentale de faciliter la vie de nos citoyens, le Premier ministre assume un leadership responsable et, contrairement à d'autres, prêche par l'exemple. Les obstacles légaux et juridiques dont MedPoint n'en ont rien entamé la primature de Pravin Jagnauth. Et permettez-moi d'emprunter cette phrase qui est connu dans l'hindi, qui dit « Jaro ka ke sanya mal sake na koi ». Et ce qui veut dire, on ne peut pas finir celui que Dieu protège. Sa force tranquille, sa combativité et ses convictions politiques bien arrêtées, tu es la bienvenue, mon frère, fais-le. N'ont pas seulement donné un souffle, un second souffle à notre pays, mais ont conduit à l'avènement de plus grandes dimensions internationales, avec un nombre conséquent de votes en faveur de la restitution par le Royaume-Uni de l'archipel des Chagos à la République de Maurice dans 6 mois au plus tard. Dans ce combat de David contre Goliath, je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont apporté leur contribution à ce combat et surtout à présenter mes sentiments de respect et d'admiration à Sir Anirudh Jagnauth pour sa détermination à reprendre notre souveraineté sur notre territoire. Permettez-moi d'emprunter ces mots du Premier ministre indien qui décrit si bien cette combativité de notre Premier ministre. Et il disait,
Naruke, Natake, Arnaduke. C'est-à-dire, il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas fatigué et il ne s'est pas courbé. Ces mots résument bien l'attitude de notre Premier ministre tout au long de cette lutte. Malgré les oiseaux de mauvaise augure qui continuent à souhaiter le malheur de notre pays, notre Premier ministre avait qu'un objectif en tête, souveraineté de notre République. Monsieur le Vice-président, les mesures annoncées dans le budget 2019-2020 font foi d'un gouvernement humain, responsable, se souciant d'encadrer les plus vulnérables. Le Premier ministre le dit souvent, il n'est pas acceptable que dans un pays qui ambitionne d'être à revenus élevés, des personnes vivent dans la misère absolue. C'est pourquoi le gouvernement s'efforce de faire en sorte que tous les Mauriciens de toutes les classes sociales se retrouvent dans le modèle économique. Les budgets que nous avons présentés vont au-delà des chiffres, n'en déplaise à certains qui ne voient que des dettes, PIB, performance économique. Un homme de vision, monsieur le vice-président, est un homme qui anticipe sur l'avenir. Pravin Jagnauth était venu de l'avant avec un institut de biotechnologie. Mais comme le dit le proverbe, nul n'est prophète en son pays. Le mesure fut hélas mise à côté par le précédent gouvernement qui n'a su déceler l'avant-gardiste de cette entreprise. Cette fois encore, il me semble que le Premier ministre est en avance sur son temps, quand celui comprend la portée, la valeur, le rôle important, l'intérêt considérable et l'influence de l'intelligence artificielle. Beaucoup déplorent le manque de nouveaux piliers économiques et de vision dans ce budget. Pourtant, l'intelligence artificielle est en elle-même porteuse de croissance économique, plus rapide quand nous savons l'exploiter. Le deuxième miracle économique est à la portée de nos mains. Si nous adoptons une perspective plus large et ne nous restreignons plus à une vision étroite de la réussite économique. Après les mesures de l'an dernier, le budget 2019-2020 fait la part belle à l'intelligence artificielle. À travers les sciences, les technologies peuvent réaliser des changements significatifs par ses objectifs d'imiter et d'augmenter l'intelligence et ses capacités humaines avec des machines et d'autres applications. Nous développons ainsi l'écosystème pour encourager l'innovation. La législation est en place et le budget 2019-2020 apporte le capital d'amorçage de 100 millions au National Innovation and Research Fund afin que le Mauritius Research and Innovation Council puisse concrétiser l'initiative de l'Innovative Mauritius. Un des autres facteurs clés pour favoriser l'émergence d'une république innovante et innovatrice est la formation. Pour que nos jeunes puissent participer à et avoir toutes les chances de réussir dans la course à l'innovation, l'Université de Mascareigne proposera un master en intelligence artificielle et robotique en collaboration avec l'Université de Limoges et l'Université de Nice. La HRDC sera elle aussi partie prenante de la formation en intelligence artificielle avec un programme sur 6 mois pour une centaine d'étudiants. Les usages de l'intelligence artificielle sont différents et multiples. Elle peut engendrer la transformation fondamentale de nos secteurs traditionnels comme le canne à sucre et le textile. La vitesse dans le traitement et le stockage d'immenses volumes de données, les applications pour le public, la robotique, le deep learning sont autant d'enjeux industriels susceptibles de changer la donne et de contribuer à des réponses rapides et des solutions adéquates, que ce soit au niveau de la santé, météorologie, océanographie et au réseau de transport. Pour ceux qui ont des difficultés de comprendre l'étendue du champ d'action
de l'intelligence artificielle, je donnerai en exemple tous les services de Google, par exemple, que ce soit le moteur de recherche, le service du courriel, Google Translate, il y a aussi les robots, comme l'a dit mon ami Yogi Dasso Minaden, comme Sophia, Dia et les drones. Monsieur le vice-président, en dépit de toutes ces initiatives, mesures et incitations apportées par ce gouvernement, les critiques de l'opposition vont aller en crescendo. Il n'y a pas de surprise. Alors que le gouvernement continue de trouver des moyens pour aider chaque secteur, chaque citoyen, malgré son âge, il est dommage que certains acteurs de la société civile et de l'industrie se laissent prendre dans la vague défaitiste et démagogique de l'opposition. Tout ne relève pas du gouvernement. Les mentalités, les comportements doivent changer. La campagne Maurice Luzoli pays et maintenir la propriété du pays à long terme ne pourront se faire qu'avec la participation de tous les citoyens. Nous sommes tous appelés à apporter notre pierre à l'édifice de notre République unie et souveraine. Nous connaissons les objectifs de l'opposition. Tenter de tuer dans l'œuf toutes les réformes, comme ce fut le cas en 2005, pour pouvoir continuer à exploiter librement le peu de ressources de ce pays. C'est de la bonne guerre que nos adversaires se démènent pour mettre des bâtons dans la roue. Mais de là mettre en péril l'harmonie sociale, la réputation du pays, les relations avec les pays amis, nous disons assez. Un des derniers exemples où l'opposition a recours à des actions basses et mesquines a trait aux réserves de la Banque centrale. Depuis que ce gouvernement a pris ses fonctions, le Premier ministre l'a dit, et je tiens à le souligner, les réserves du pays ont battu tous les records de 117 milliards pour atteindre 241 milliards, soit une augmentation de 94%, et représentant un niveau de réserve permettant à couvrir 11,2 mois d'importation. C'est un des niveaux les plus sûrs que le pays n'ait jamais connu. La Banque mondiale, le FMI, recommande des réserves de 6 à 8 mois. Ceux qui sont professionnels dans le secteur, pas les experts autoproclamés, trouvent judicieux d'utiliser le surplus pour assurer le service de notre dette bien avant les échéances. Pourtant, du rang de l'opposition s'élèvent des voix criant haro sur les initiatives du gouvernement pour rembourser la dette. Ce qui est abject, c'est que ces mêmes personnes critiquent le gouvernement sur le taux d'endettement, parlant de situation d'urgence et catastrophe imminente. Mais la population et ce gouvernement font peu cas des calomnies et de ces fake news visant à semer la terreur et le doute. Monsieur le vice-président, aujourd'hui, sans langue de bois, je peux dire que la population mauricienne a déjà choisi qui sera le prochain Premier ministre. Et c'est nul autre que Pravin Kumar Jagnauth. Je voudrais ici exprimer ma gratitude pour les projets qui amélioreront grandement la vie de mes mandants et leur permettront de participer au développement socio-économique de la communauté et du pays. Et ces projets, il y a toute une longue liste. Mon collègue, le ministre Mahin Djagrou, a déjà mentionné. Mais je tiens aussi, peut-être, je n'ai pas entendu, mais il y a aussi un centre de formation moderne pour la MITD à Beauvallon, au coût de 219 millions de roupies. Jamais auparavant, dans un budget, presque chaque endroit dans la circonscription numéro 12 a entendu le nom de leur endroit dans le budget. Il y a même un petit endroit, Kawakasia, 200 habitants. Il y a un projet pour eux. Le Premier ministre a pensé à tout le monde à travers le pays. Non, bien sûr, parce que c'est effectivement mon collègue Mahen qui siège au sein du cabinet et c'est lui qui a porté les projets. Absolument pas de souci. Et il y a aussi. Non, mais.
Non, mais à ces commentaires, monsieur le vice-président, monsieur le vice-président, il y a entre hommes de caractère et de valeur, c'est normal qu'il y a des étincelles des fois. Mais la sagesse prévaut et on... Alors que nous nous attelons à mener ce pays vers la modernité, nous devons jouer avec une opposition surannée. Pire, une opposition aux abois, prêt à recourir à toutes les subterfuges avec le but purement politique de faire choir le gouvernement. Toutefois, l'objectif de départ de ce gouvernement reste le même, monsieur le vice-président, assurer que le pays soit placé sur une trajectoire de croissance supérieure pour une prospérité partagée et une qualité de vie améliorée pour tous les Mauriciens. Dynamisme, modernité et constance sous-tend chacune des actions, chacun des projets de ce gouvernement. Je terminerai avec ces mots de Harold Wilson à l'intention de mes amis de l'opposition, je cite, « qui rejette le changement est l'architecte de la déchéance. La seule institution humaine qui rejette le progrès et le cimetière. » Merci, monsieur le vice-président. Merci.